Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo où on va parler budget et voyage en 2021. Ouais, tu as bien compris, en 2021. Donc c'est parti, on y va, on y go, go! Pessimiste, mais franchement j'ai l'impression que 2021 va ressembler énormément à 2020 concernant les voyages. Je sais pas si tu as remarqué, mais les frontières elles s'ouvrent, elles se ferment, elles s'ouvrent, elles se ferment, elles se réouvrent, elles se referment, enfin bref, ça n'arrête pas. On pensait être confiné et au total on n'est pas confiné. Il devait y avoir suffisamment de vaccins. Et on apprend en fait qu'il n'y en a pas assez, donc on est vraiment dans le flou total, on ne sait pas sur quel pied danser et on ne peut plus rien prévoir à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, tiens, dans 9 mois, il me faut tant pour aller au Canada, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois. J'ai un petit peu analysé la situation et je me suis dit que crise sanitaire est égale à plus de flexibilité dans les dettes de voyage. Et crise économique, oui, parce que messieurs, dames, je pense qu'on va y arriver, est égal à un budget voyage revu à la baisse. Eh ouais. Tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est bien beau tout ça. Tu me dis, oui, alors voilà, t'es pessimiste parce que tu penses que 2021 va ressembler à 2020 concernant les voyages. Que ben, il va falloir être flexible dans les dates de voyage, qu'il va falloir ceci, qu'il va falloir cela. Oui, je sais, ça fait énormément de choses, mais à tout problème, il y a une solution et je pense l'avoir trouvée. Alors, l'idée est de créer une enveloppe voyage avec un montant bien défini qui ne dépasserait pas plus de 1000 euros. Ça va englober le transport, le logement, la bouffe, ainsi que les activités que tu pourras pratiquer. Maintenant, évidemment, si tu veux mettre que 500 ou 200 euros, libre à toi. Moi, je te donne un exemple. Voilà. Sauf que là, la grande première, c'est que tu ne mets ni de date, ni de destination précise. C'est-à-dire que tu vas mettre ton budget en place de 1000 euros et tu vas partir au moment le plus opportun. Mais je t'explique tout ça, tu vas vite comprendre comment je vais m'organiser. Je fais un tableau avec trois colonnes. Première colonne, les pays et régions françaises. Deuxième colonne, faisable. Troisième colonne, pas faisable. Le jour où on peut revoyager, je me renseigne sur les lieux inscrits dans ma première colonne et je note dans les deux autres colonnes les renseignements pris. Donc, faisable, c'est tous les avantages qu'offre ce pays ou région française, donc par exemple restrictions sanitaires levées, frontières ouvertes, coût de la vie pas cher, réduction par la SNCF ou compagnie aérienne, et pas faisable, ce sont tous les inconvénients liés à ce pays ou région française qui font que ce n'est pas un bon plan. Exemple, l'Italie. Tu vois, après les renseignements pris, que les frontières sont ouvertes, que la SNCF fait des prix cassés, on peut toujours relever, mais après tout, pourquoi pas, que la vie n'est pas chère, que la crise sanitaire est stable, donc on se dit, ok, pour l'Italie, c'est faisable, on fonce, on peut y aller. Ce tableau va me permettre de faire une comparaison sur les lieux où je vais aller pour voir lequel est le plus avantageux financièrement et le moins risqué pour ma santé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu auras trouvé une solution à ton problème. Mais où est-ce que je pourrais bien voyager en 2021? Que tu te diras, bah tiens, moi aussi je vais faire la même chose qu'elle, je vais me créer une enveloppe voyage, ça peut être intéressant. Et puis pourquoi pas, bah, on peut la remplir ensemble, je sais pas ce que tu en penses. Allez, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt, pitou pitou, et prends soin de toi.